Coucou Yo. Coucou Yo. J'espère que vous allez bien. Parce que nous, ça va super. On se réveille tranquillement pour partir à Los Angeles. Je hurle. Non, on part à Paris. Et il est actuellement 4h du matin. Et on est. On a un peu éclaté. Du coup, on va aller se préparer. Et on va vous emmener avec nous dans notre petit. Dans nos péripéties. Voilà, exactement. Allez, on y va. Ok, y'all. On est fatigué. Oh, ça va. Moi, je suis un peu fatigué. Mais bon. Hein? Donc, le truc que vous savez pas, c'est qu'en fait, là, on rejoint deux de nos amis, Fiorella et Lara. Mais en fait, Cléa, de base, est devenue avec nous dans ce trip. Mais en fait, ça a avéré qu'elle trouvait pas. Et ce qu'elle sait pas, c'est que finalement, c'est qu'elle vient avec nous. À la dernière minute qu'on a réservé. Et du coup, je suis en train d'ouvrir la porte avec mon cul, tout va bien. Et du coup, oh. Et du coup, elle vient. Donc on va. Vas-y donc, qu'il est le pire. J'ai filmé un vlog. C'est tellement. Oh non, pas maintenant, j'ai pas mis de masque. Mout. Lara, je filme un vlog. Dis coucou. Et Fio, Lara, j'ai un truc à vous dire. Viens. Come here. J'ai une surprise pour vous. C'est quoi la surprise? Surprise! Surprise! Oh my god! Bonsoir! C'est la surprise, Lara! Mais tu viens? Oui! Oh, mais c'est trop bien! Donc nous sommes à l'aéroport, les louloutes. Nous attendons la Clélioche qui prend son temps. Hein. Clairement, elle prend son temps. Je sais pas ce qu'elle fout. Hein. Comment? Elle est là. What are you doing here? What? Non mais... Alors, suite des événements, on a marché 25 minutes pour arriver au Airbnb. Et du coup, en fait, on attend notre petit Armand, notre petite hôte. Mais il ne vient pas. Hein. Donc là, on attend comme des cons depuis avant. Mais on attend, mais il vient pas. Et du coup, on peut pas récupérer la chambre, enfin l'appart, parce qu'il est pas prêt. Et du coup, c'est la galère. J'ai 1%, il me répond pas. C'est la merde, c'est la... Hey guys, on est arrivé dans le Airbnb finalement. Donc il est... Ça marche pas. Je sais pas. Donc il est super mime. Je vais vous faire un petit apartment tour, un petit house tour pour que vous voyez. Donc vraiment trop mime. Oui, il y a encore toutes nos affaires et tout. Donc on a le petit salon, pop. Vraiment trop cute. Hein. La petite cuisine. Petite chambre. C'est quoi, hier, donc j'ai mis une boucle d'or et que j'ai pris. Oui. C'est pas Mims. Donc voilà. Vas-y, il faut rafler. Sans Hubert, on est déjà perdu. Vous avez pris Lara. Clé, t'as pris quoi? Tio. Des bateaux trucs. Donc on sort du restaurant. Lara, ton appel. Alors, de Little Italy, pour le goût, le corps. Les serveurs qui n'ont aucun respect. Tu leur parles genre normalement, poliment. Le gars, il te parle comme d'un grosse merde. Il se plaint.
Je vais pas se faire débarquer toute la soirée, mais gros tes serveurs. Ça va être caissé sinon. C'est pas grave, Lara, tu vas t'en remettre. Non, mais je déteste, genre, je te dois du respect, tu me dois du respect, sinon nique ta race. Exactement. J'aime trop, t'as énervé. Moi, je m'aime pas. On la caresse. Non, la caresse dans le sens du cheveu. Tu caresses. Hein? Très fraîche. Bon. Ils sont cute? Non, je parle des biscuits. Ah. Ça, c'est les meilleurs biscuits au monde. Okay. Au monde? Au monde. Est-ce que je prends ou pas? C'est pas que je joue avec moi. Moi, en fait. Mais pas. Y'a que Lara qui va pas. Bah oui, moi j'ai assez charbé de ma vie comme ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe? It's so strange. Y'a quoi? Il m'a fixé. Ah ouais? Il était là comme ça. Genre, tu sais, il essayait trop de se mettre comme ça contre moi. Salut les guys! Donc là, on est samedi matin, il est 8h moins quart. Donc aujourd'hui, on doit aller à Disney. Et donc voilà, il y a tout le monde qui dort encore. Et voilà, du coup là, je suis en train de pêcher au Starbucks. Je vais aller chercher des Starbucks pour les filles en plus, parce que là, elles n'ont pas très bien dormi. Du coup, bah, je vais ramener un petit Starbucks, comme ça va leur faire plaisir. Tiens. C'est rien. Oui. C'était là. Moi j'ai trouvé que c'était un bop. Ah, merci. Là on a. C'est pas vraiment la fraîcheur de vie, c'est la fraîche au détail près. Là on a le mood Tumblr Brandy Melville Cocooning. Et là on a Clélia. De bon matin. La petite bière au réveil. La petite binouche. Enchanté, docteur. Je me confie sur mes problèmes de maladie qui me gâchent la vie. Depuis. Bah merci. Attends. Je suis dans un chien. Non mais elle avait toujours Sparte. Je vois elle a genre ça, elle veut dire ça, mais fait genre Sparte. Super. Et Sparte elle l'appelle Sam. Mon chien et Sam dans la même pièce. Elle les confond. Bart, elle l'appelle Sam. Bart, je l'appelle Sam, mais Sam, je l'appelle pas. C'est un chien, c'est un chien. C'est la fin, ta gueule. Non. Si. Non, non. D'ailleurs. Oui, d'ailleurs. D'ailleurs. Bah oui. D'ailleurs. Ouais. D'ailleurs. Bravo, gueule. Oh. D'ailleurs. Oh. D'ailleurs. Tu veux que je te déglape? Oh. On est parti pour faire une infection de dingue! De malade! J'ai trop peur! Je panique, j'ai peur, j'ai une crise de panique! Par contre, je suis à la recherche de mon Jack Sparrow! Jack! Tu es où, mon loulou? Update sur la situation! Ça fait, je pense, une heure et demie qu'on fait la queue de chemin dans la mine.
Ça va faire une heure et demie et le train de la mine, merci Kélia. Et là on arrive. Du coup là on change de parc parce que le parc là il ferme dans 30 minutes donc on change de parc, on va au Walt Disney Studio. On est sorti. Elle est où la Kélioche? Elle est là, elle est derrière. Les gars, on est en train d'essayer de trouver un nom à la peluche de Fio. Comment elle s'appelle? Mathilda. Non, pas Mathilda. Margaret. Capucine. Anne de Capucine. Attends, Mandarine, Clémentine. Cherry. Champagne. Stormy. Guys, on sort de du truc Nemo. Lara, c'est une meuf, une poussarde. J'ai peur des manèges. Quand je suis venue, j'avais 10 ans, j'ai fait Nemo. Donc j'avais déjà très peur et j'avais fait Nemo. Et c'était assez bien, c'était assez chill. Mais j'avais kiffé tout. Du coup, là, je les ai motivés à aller faire Nemo. Et on se met dans le truc. On se met dans le truc. Ça commence. En fait, ils ont changé le manège. C'était un truc de fou. Ah, j'ai adoré. Et on a tous badé nos traces. Et pendant le manège, j'ai crié. Mais ils ont changé le manège. Ouais, elle était au bout. Moi, j'étais en meilleur fou rire, les gars. Du coup, là, on est en train de courir pour que ça ferme dans 5 minutes. On court. Venez, on court. Non, je ne veux plus courir. Là. Et du coup, là, bon, bah, elles sont fatiguées. Mais je suis en train de courir. Parce que. Ah, ouais. Nous revoilà à. Ce serait pas ton chat, c'est ta maison. Oui, alors. Tu nous fais un house tour. Un hall, un house tour. Alors, je vais avancer. Ici, c'est mon hall. Donc, j'aime bien. C'est un peu vieux. Non. Après, il y a la poubelle. C'est un peu froid. Du coup, on rentre dedans et on se retrouve after qu'on a fini. Bon, les amis. On part. Génisse, Lara au vlog. Donc là, tu te filmes, tu racontes ta life. Tout ce qui te style à raconter, tu le dis. Très mime. C'est le commerce, la rue. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Comme vous pouvez le voir, nous sommes un peu fatigués. C'est 11h30. Déjà. On est en train de commander des pokeballs. Parce que c'est bon. Et puis voilà, qu'est-ce que dire de plus? Rien. Rien du tout. Genre, je sais pas, ça sera allumé toute l'année en fait. Ouais, gay, je vois le bail. Juste quand tu rentres déjà, son paillasson c'est écrit Not today, Satan. Et genre, moi je l'avais dans son appart avec des chapelets de partout. Et genre, il y aurait grave une étagère à livres, mais genre une étagère spéciale à livres, genre. Comment chasser le mal? Ouais. Comment. Genre, tu sais comment chasser le mal? Nanana. Il y aurait genre 4 trucs de sauge qui fument dans tout l'appart. Mais il y aura l'exorciste à la télé en même temps. Elle aura un gars à LA, un footballeur renois. Elle aura un autre français. Cultiveur d'olive. Elle en aura un que personne ne sait à Dubaï pour avoir de l'argent. Ah, on a un robinet. Oh, putain, j'ai encore retrouvé le mal. Ah, mais l'eau, elle est bien là. J'ai encore toute la nuit. Comment elle a rencontré
Alors que sans enfant, sans mari. On l'a pas, mais... Il fait 300 qui arrête pas. Non, non, des joueurs. Moi, vraiment, je l'imagine pas travailler, Lara. Je la vois juste marcher dans la rue avec son... Quatre écharpes comme ça, et genre, ah, mais c'est quoi tous ces camions-là? Non, et ça, son ça, c'est mon maintenant. Ça, c'est ouais, deuxième partie de la rue. Attention, je suis naturiste et je l'assume. C'est des clichés vraiment exagérés. Mais exagérés. Du mauvais côté, ouais, mais... Genre, moi, jamais je connaissais un GPS dans une voiture. Moi, c'est bien sûr. Carrément. Elle l'appelle genre. Donc là, elle est en plein déménagement parce que, à ce qui paraît, j'ai ronflé la nuit dernière. Non, je ne ronfle pas. J'ai cru entendre mon père. Madame, alors, est fine. Donc ça l'a réveillée alors que je n'ai pas ronflé. Du coup, elle déménage chez les filles pour dormir. Ah, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en pouvais plus. Je serrais le cul comme ça. C'est caca. J'ai plus le temps de penser. Le truc, il a dit c'est comme. Regardez, ça c'est Gustave. Bon, Fiorella va rouler sa tête parce qu'elle a la phobie de montrer sa tête. Ça c'est Gustave là devant son visage. Et ça c'est Margaret. C'est marrant. Ah, et ça c'était sa hanche. Et là, on a Clélia. Ah, putain, c'est drôle. Clélia, la petite épave du Titanic. En plein décès. Bon, donc là, on a mangé dans ce restaurant super mime, super beau, nanana. Super trendy. C'est très beau, et c'était dégueulasse. Alors, nous, moi, ayant été vegan pendant 3 ans, presque, 5 ans de végétarisme, j'en ai testé des endroits. Mais comment est-ce que vous voulez que je mange des boules, des graviers, des graviers, des toilettes, c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi, je suis désolée, ce qui a fait vraiment des fruits surgelés et du lait chaud. À quel moment? Ça, je peux le faire à la maison, quoi. À la maison. Non, c'est pas chaud, ça va. Bah oui, toi. Non, parce que moi, j'ai en bouche, j'osais pas avaler, c'est dégueulasse. Ça a le goût de la mort. ça a le goût de la mort. Trop beau mes cheveux, putain. J'espère que ce vlog vous a plu et à pouce en l'air et à vous abonner, cliquer à cette notification pour avoir une nouvelle notification à chaque nouvelle vidéo. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ça et je vous dis à la prochaine. Bye les guys.